Là, va falloir qu'on aille faner parce que juste mettre les feux, 5h30. Bon, je me lève tôt, mais il faudrait qu'ils viennent en dîner début d'après-midi. Oh bah tiens, qui c'est qui passe là-bas? Et hop, ça va être une fin de chantier. Ah bah, il est combien? 10h48. Ah ouais, ça avance bien le temps. Bon, il arrive. Bah, de toute façon, c'est l'ensemble que j'avais vu qu'on a été chercher ensemble. C'est pas mal ton affaire là. Ah ouais, et puis c'est vitesse de travail. Hein. Faut que tu passes entre les barrières, t'arriveras? Si tu prends large? Ouais, je pense que ça devrait le faire. Ça fait pas longtemps que je l'ai, j'essaye de m'habituer au télé. Un petit coup de goût d'appui. Ça devrait être pas mal ça. Ah, mais il est là. Mais qu'est-ce qu'il fait là? C'est quoi, on fait ça? Et puis de toute façon, t'as même pas besoin de venir me voir parce que, en gros, de toute façon, c'est que les champs que tu viennes d'endainer, c'est juste ceux-là à presser. Courage! Ouais, toi aussi. S'il peut me presser ça, c'est que je vais rentrer chez moi, puis au pire, s'il a un problème, il m'appellera. Hein. Parce qu'il est quand même déjà 19h là. Depuis 5h là, j'ai juste envie de dormir. On ferme ça, mettre la lumière, je commence à faire un peu noir. Bon, c'était pas top, j'aurais dû prendre le pick-up. Je rentrerai avec la BM, je vais aller avec la BM. Je vais aller le voir s'il a pas trop de soucis, si ça se passe bien et tout. Normalement, il m'aurait appelé, mais je vais quand même aller voir si ça se passe bien. Ah, lui, il me laisse passer. Merci, c'est gentil, punaise, il y a du monde à cette heure-là, là. Oh là là, qu'est-ce qu'ils font, tous ces gens-là? Bon, allez, on va voir ce que ça se passe. Par contre, quel champ il doit être pour moi? Il doit être au grand champ, parce que... Il a dû faire tous les petits ouais, depuis le temps de tout à l'heure là. J'étais dans l'atelier, je me suis dit bon, peut-être aller le voir quand même. C'est vrai que de là, on va commencer bientôt les colzas là. Après, il va avoir tout ce qui est moisson de blé, d'orge là. Ça commence à tirer, mais il va falloir quand même présent parce que là, ça va bientôt commencer. D'ailleurs, faudrait que je lui demande s'il fait pas tout ce qui est... s'il doit faire tout ce qui est moisson et tout. C'est pas mal parce que je travaille avec une autre ETA, mais qui a fini, donc... Enfin, qui a clôturé, donc... Voilà, punaise, il y a le cours d'eau. On va peut-être s'arrêter avant parce que... Je sais pas qu'on n'a pas le 4x4, mais... Éventuellement, on va rester là. Allez, la lampe torche, pas mal, pas mal. Je me doute quand même dans quel champ qu'il est. Bon, je connais mes champs par cœur en même temps, mais... Ouais, il y a quand même un peu de bottes, mais il a fait quand même des grosses bottes. Enfin, des grosses bottes. C'est relatif, mais... Non, c'est top, c'est top. Il arrive, il a combien? Encore 2 ans d'un. Ben, impeccable. Nickel. Faut que je lui parle pour la moisson, parce que ça arrive très vite, là, parce que son calendrier est encore chargé. Faut que je lui parle de ça. Je vais juste attendre qu'il finisse de son andin. Tant que j'ai ça dans la tête, je vais en parler, parce que... Ouais... Bah, je passe te voir, j'étais devant la télé, je me suis dit, bah, je vais aller le voir quand même s'il a pas de problème. Ouais. Oh, ça se pose bien, ça se pose bien. Impeccable, bah, du coup, t'arrives dans la fin là. Ouais, bah, il reste plus que ça, ouais. Impeccable, punaise, t'auras fait des sacrées journées là. Ouais, du coup, après, j'ai encore un petit client, un petit fion à aller finir. Ouais. Qui m'a resté. Et puis, ouais, après, ce sera une fin de journée déjà. Ah, bah, sacrée journée. J'ai une question, parce que ouais, j'y pensais tout à l'heure, même devant la télé, puis quand je venais. La moisson là, ça arrive vite, même de colza, de blé d'orge et tout. Toi, tu fais tout ce qui est prestation de moisson ou pas? Ouais, j'ai une boiteuse, une Yolande. Ah bah parce que ça sera impeccable, parce que justement, je recherche, parce que je travaillais une autre terre avec ça, enfin, je te cache pas, tu vois, avant. Mais voilà, c'est terminé et tout, je les connaissais bien. Mais bah là, du coup, ce serait possible de faire ça avec toi, ce serait cool, quoi. Bah ouais, j'ai la moisson, j'ai même les bennes, possibilité de mettre des bennes aussi. Bah après, à la limite, ça, la benne, j'ai, tu vois, mais... Si t'as la moissonneuse, ce serait cool quoi. Ouais, même lancilleuse, télescope. On prévoit ça en avance parce que je suppose qu'il y a pas mal de monde qui vont t'appeler aussi. Ouais, bon après en moisson, je suis pas. J'en fais moins que les pressages quand même. Ouais, c'est sûr. J'en fais moins non plus une grosse machine, mais. Tu fais beaucoup d'enrubanage quoi. Enrubanage, même beaucoup de labour aussi. Ah, bah ça, ouais, tu m'étonnes souvent. C'est ça, bah ça marche de toute façon. Bah, je te laisse terminer, mais. Bah, je venais juste voir comme ça, ça se passe bien, impeccable. Ouais. Bon, ça bah, se passe bien, ça va bien. Ça roule, de toute façon, je viendrai chez toi, tu m'enverras la facture par mail ou par la poste, comme tu veux. Ouais, wow, sinon je passerai. Et puis, je passerai chez toi pour régler, ou t'inquiète pas, je trouverai bien. Ça marche. On fera ça, vas-y. Ça marche, impeccable. Bon, bah, bonne soirée à toi, puis rentre bien. Toi aussi, ouais, à plus. Ouais, salut, ça marche.
Bon alors on va aller atteler le nouveau tracteur que j'ai reçu il n'y a pas si longtemps que ça, je l'ai reçu il y a une semaine, ça fait un an que j'ai commandé presque. Enfin, le John Deere 6430, bon le conseil c'est venu me le livrer, j'espère que j'aurai pas de problème. Pour l'instant je suis hyper content, on va l'atteler sur la benne Roland. Après je vais aller voir si Jean-Claude il est prêt ou quoi, parce que normalement du coup moisson aujourd'hui, alors je sais pas du tout quand il vient. Faut que je lui règle aussi pour la dernière fois tout le foin qui m'a fait, enfin surtout l'endainage et le pressage. Je vais aller chez lui vite fait, puis comme ça je serai, puis je l'emmènerai au champ, au moins ce sera mieux. Normalement ça devrait être pas mal. Ah, faut que je recule là. Ah bah ça doit être lui, il est déjà parti presser ce matin là. Bon, tu me diras, il est quand même 9h10, mais quand même. Après c'est des bottes de carrés, bon c'est pas pour moi. Hein. Qui c'est qui fait des bottes de carrés? Bon, tu me diras, il y en a un peu tout le monde qui en fait. C'est vrai que c'est plus pratique même pour le rangement et tout, mais bon. Et ben en vrai de vrai, je vais aller directement chez lui, je pense. Ouais, tant qu'à faire, je vais aller directement chez lui, en sachant qu'il est là-bas, bah, avant qu'il reparte, je vais aller le choper. Ah juste, j'ai oublié mon chèque dans la voiture, je vais aller le prendre. Le chien qui se balade toujours. Ah lui, bon, je lui ai mis à manger tout à l'heure. Donc le chèque, tac. Bon allez, direction chez Jean-Claude. Je vais peut-être mettre mon gyro quand même. Je sais pas du tout si. Normalement, il y a un gyro derrière. Ouais, il y a le gyro derrière la benne, bon c'est pas mal. Date cette benne. On va dire qu'elle me sert quand même bien. Hein. Mettre les gyros. Normalement c'est mis. Hein. Ouais, bon, on voit le refait sur la benne. Allez hop, c'est parti. Bon allez, direction chez Jean-Claude. Il y a aussi du blé par ici. Bon, il y a certains champs qui sont pas à moi. Il y a des champs que c'est Jean-Claude qui sous-traite pour d'autres fermes qui sont encore un peu plus loin. Et souvent les fermes ils sous-traitent quand c'est loin comme ça. Puis Jean-Claude il se débrouille un peu avec le reste, je veux dire. Il y a un truc maraîcher aussi au bout de ce chemin, c'est pas mal. Bon, ils font un peu de tout là-bas, ils font carottes, pommes de terre, enfin. Maraîchage quoi, tu me diras. Jean-Claude, bah, il a rangé son McCormick. Enfin, il dort. En même temps, il doit bien servir en ce moment. Ah bah, entretien de la batteuse dès le matin, tu me diras. Je vais couper le moteur quand même. Alors, il est où Jean-Claude? Ah, ça va? Ça va toi? Bah, ça va bien, ouais. Je venais de voir du coup. Alors, déjà, d'une. Je viens de demander pour le chat. Je te remets le chèque. Bah tiens, je te le donne Ah, direct. Le chèque je te pour le foin, remercie. du coup, l'endainage et le pressage l'autre fois. Ouais, bah ouais, la dernière facture Voilà, quoi. puis bah, du coup, vu que tu m'as dit que tu venais à moissonner aujourd'hui, bah, je me suis dit que ce serait, comme on s'était dit, 10h et quel. Bon, il est 9h15, 20, Ouais, mais je me suis dit comme mais ça, je viens merci. direct, et puis à la limite, tu me suis, et puis comme ça, hop. Bah ouais, bah là t'es pressé un client ce matin et puis du coup je finissais Ouais, j'ai vu l'entretien. ça, ouais. T'es en train de souffler tout, là? Ouais, bah j'ai fini, je lui ai fait le plein tout. Y'a Ouais. plus qu'à accrocher puis à y aller. Ok, ça marche. Pas de soucis. Bah ouais, faut que tu remettes ça sur le chariot là. Ouais. Hop, puis remettre ça sur le chariot après. On va mettre les chariots derrière la batteuse. Puis ça va être parti pour de la moisson. C'est vrai que c'est une période que j'adore vraiment. C'est en été, tu fais plus d'heures, c'est sûr, pour toutes les moissons et tout. Mais non, c'est bien, c'est quand même chaleureux. T'es plusieurs. Faut les payer aussi, les ETA, mais. Ça c'est encore autre chose. Mais elle est pas mal sa batteuse, donc pas si vieille que ça. Hop, c'est bon! Coucher de ça. Nickel, bon, ça se fait bien. Bon, je vais le guiner pour atteler derrière quand même. Faire attention qu'il m'écrase pas. Vas-y, vas-y, vas-y! Vas-y encore! Vas-y encore un peu! Hop! Impeccable! Ok, bah t'es nickel direct. Juste mettre la Ouais, goupille. bon, on a la caméra. Ah, c'est Ça aide pour bien. ça. Je me disais. Bah oui. Tout de suite, ça va mieux. Ça roule, on fait comment? T'es prêt à partir là du coup? Ouais, j'ai fermé le bureau. Ouais bah ça Tout marche, bah va. je monte dans mon tracteur et puis je t'attends dans ce cas-là. Et puis tu me suis. Ouais, bah je vais fermer le bureau derrière, j'arrive. Ouais vas-y ça marche. Ça va être le départ pour les moissons, moi j'ai tout pris. Il va y avoir pas mal de tentes au champ du coup, le temps qu'il commence à moissonner, qu'il fasse une première trémie là, le temps que j'aille vider ça. Sur moi le grain j'en garde pas beaucoup, à part pour mes poules, un peu à vendre après des particuliers. Mais à part ça, bah, je vais le vendre à la coop, donc j'espère qu'il sera bien, qu'ils sont dans un bon prix. J'espère qu'il n'y a pas trop d'herbe. J'ai été voir l'autre jour. Ah, c'était pas mal, c'était bien. Ouais, c'est vrai que ça fait quand même un truc. Normalement, je sais pas si tu devrais avoir une voiture qu'on voit, mais sur ces petites routes-là, ce serait pas mal. Hein. Heureusement qu'il n'y a pas grand monde encore. Enfin, il est quand même. Il va être bientôt 10h. On a de la chance qu'il n'y ait pas trop de monde aujourd'hui parce que je pense qu'on serait bien embêté. Hein. Ouais, normalement, bon, ça devrait passer, impeccable. Il va être les lents, hein. Le voisin, il nous en vendra pas. On s'est fouché, on s'en fout, on s'est ramassé. C'est le champ d'à côté là? Ouais, c'est ça, ouais. Bah, tu vas dételer dans le champ d'herbe, là, je pense. Ouais, je vais faire un petit demi-tour, ouais. Ouais, J'ai vas-y. décroché ça. Ouais, il est vraiment prêt, prêt, même plus que prêt à récolter là. Voilà. Ouais, c'est top, c'est nickel. Je pense qu'il va y avoir pas mal de paille, hein, mine de rien, il est bien monté quand même. La paille, c'est pareil, je sais pas quand il vient d'empresser ça, j'espère pas longtemps après là. Ah non, il reste pas si mal que ça, mais on sait jamais. Hein. On s'est déjà fait avoir là il y a une semaine pour les fonds aussi, il a plu là. Convoyeur. Ouais, du coup, tu fais quoi? Fais un détourage? Bah, je vais t'attendre ici, hein. De toute façon. Ouais, bah je vais faire des tours et puis Bah, à la quand tu limite, je vais prendras même le monter tracteur avec toi, en tu sais dos. quoi?
Je pense, ouais. Bon, allez, go pour la moisson. Je vais te vider là parce que. Ouais, Déjà bah plein. dans ce cas-là, bah Alors je avant, vais faire demi-tour et je fais bon, comment? attends, c'est bien, je vais avancer un petit peu, je vais faire une petite pause. Pierre, je t'ai vidé au bout de la fourrière. Ouais, vas-y, ça marche, on fait comme ça. Tu me chies, vas-y. Vas-y, ça roule. Allez hop, nickel. Il y a l'air d'avoir quand même un peu de rendement, ça c'est cool. Je pense qu'il va me mettre 2 trémies, je serai plein. Donc ça va aller vite. Bon, après, il va falloir que j'aille vite, ça la cope. J'ai pas prévenu la cope, mais bon, c'est pas grave. Normalement, il y a toujours quelqu'un là-bas. Où il me vide ouais, à la fin de ce passage-là. On va aller au bout. J'aime bien, puis il est gentil. Donc... Ah, il doit peut-être être plein là. Allez, vidons ça. Ouais, il a l'air vraiment bien. Ouais. Puis même, il n'y a pas d'herbe dedans. Franchement, je me suis bien débrouillé. Hein. C'est pas mal ça. Hop, m'écrase pas. Monter sur l'échelle, voir quand même. Qu'est-ce que ça donne? Ouais, bah, je vais peut-être avancer mon tracteur. Histoire que ça le gêne pas trop. Et ouais, je vais le mettre dans le coin à la limite. Puis. Il me dira quand ce sera plein. Parce que après pour faire ces demi-tours là, je pense qu'il va faire 2-3 détours, j'en sais rien combien ils vont faire. Et puis après le son il va tourner, mais je le gênerai pour tourner donc voilà. On va attendre encore une trémie, puis on va aller filer à la coopérative. Normalement, je devais poster que l'idée, ouais, c'est ça. Il déplie la goulotte, donc c'est qu'il doit presque être. Je vais peut-être m'avancer histoire qu'il tourne. Je sais pas comment Kevox prend. Moi qui vais direct, c'est pas du tout si je vais de plein. De toute façon, je lui demandais comment qu'on fait. Attention, oula, ça se passe bien. Wow, PK, ça va bien, bon rendement. Ouais, qu'est-ce que tu fais? T'en mets encore après ou tu vois Ouais, mieux que moi? je pense après, je te remettrai quand même encore un petit peu. Je vais refaire un aller-retour sinon, et puis je te remettrai ce qui reste. Ce serait de te la remplir. Ok, ça roule, pas de soucis. Bah, on fait ça. Puis comme ça, après, je vais vider en speed à la COP parce que, après, autrement, tu vas attendre. Oh, vas-y, on fait ça. Ça marche, vas-y, ok. Ouais, bon, impeccable. On peut en mettre un peu plus. Il va mettre un peu plus, puis direct sur la coopérative après. L'émission, il me fait chier. Bon, il nous a revidé normalement ce qu'il fallait dans la benne. Allez voir. Oula, oui, mais ça va être plein, chef. Oh, je pense que c'est bon, elle est bien. Ouais, je pense que ça va suffire. Je vais à la coopérative dans ce colo, puis je reviens. Ouais, oui. Bah, vas-y, à Bon, à tout toute, à ouais. l'heure. Ça marche, Ouais. merci. Allez, hop. On est parti. Coopératif, c'est direction à gauche, il me semble, si je me trompe pas, c'est vers la ville là-bas. Pas de voiture. Impeccable. Allez hop. On arrive à la coopérative, c'est juste ici. Arrive. Bon, il n'y a pas grand monde hein, à la coopérative, pourtant c'est vraiment la période des moissons en ce moment. Enfin, il fait beau quoi, donc ouais, pourquoi pas. Oh là là, c'est qui ce corps? Je connais pas, ça va être encore à nouveau, tiens. On va se mettre sur la bascule, tiens. Faut pas avoir des 3 SU ici, moi je te le dis. Salut, ça va? Bonjour, ça va? Ça va et vous? Bon, bien, bien, et vous? Je vous emmène du grain là qu'on vient de moissonner. Vous faites des tests pour le blé là? Ouais, bah je vais prendre un petit échantillon et puis je vais vous dire ça, mais je pense que ça doit être bon vu la saison. Ça marche. Et du coup, on vit dans quelle cellule? Parce que je sais jamais trop. Un coup c'est dans C'est quoi une, vous? un coup c'est dans l'autre donc. Du blé tendre ou du blé dur que vous m'emmenez? Du blé dur. Bah, ça sera la première, la plus proche de la bascule. D'accord, ça marche. Bah, vous faites le test avant ou je vais vider? Peut-être le test avant. Oh bah j'ai déjà piqué la sonde dedans. Ah, ok. Et du coup, ça dit quoi? On va regarder ça. 14-8. Bah c'est bon. Pas de problème. Ça On est marche. bon. Bon, bah, je vais vider ça. Je vous imprime le papier. J'attends que vous repassiez, puis je vous imprime le papier en venant. Ça marche. Allez, bon, on va vider ça. La plus proche, c'est elle. Ah ouais, en fait, faut que j'aille vider ça. Après, faut que je refasse demi-tour pour revenir sur la bascule, sûrement, je pense. Et il n'y a pas de sortie par là-bas, non, toujours pas. Ok, ça marche. Et ben, on va aller vider ça dans. Alors, oui! Ça vous embête de changer dans la deuxième?